Salut, c'est Tico. Comme certains le savent, j'étais malade le week-end dernier. Je suis malade. Et j'ai eu une bonne crève, et du coup je me suis dit qu'il fallait que je retrouve de l'énergie. Alors quoi de mieux pour retrouver de l'énergie que d'aller consulter ou de s'intéresser aux travaux d'une énergéticienne? Et par le plus grand des hasards, et je vous jure que c'est vrai, je suis tombée sur Stéphanie Fallah, énergéticienne. Alors j'ai été voir un peu ce qu'elle proposait. Et là, je découvre quelque chose que je ne connaissais pas, les flammes jumelles. Mais que sont les flammes jumelles? Ça vous intéresse? Moi, en tout cas, oui. Et puis, si cela ne vous intéresse pas, tant pis, cela sera tout de même le sujet de la vidéo. Les flammes jumelles, la rencontre. On commence avec une musique de merde. Que se passe-t-il lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle? Eh bien, ça, j'en sais rien parce que je connais rien du tout à ça, alors on va en savoir plus avec Stéphanie. Allez Stéphanie, éclaire-nous de toute ta lumière. C'est tout un nouvel univers intérieur qui se met en place. Oh! C'est une révolution, un chamboulement éternel qui se met en place. Ah, ça fait deux fois place, c'est pas très joli comme répétition. La part d'ombre et de lumière, le réveil brutal de l'âme. La complétude, l'union de toutes vos parts, mise en lumière par la force du lien. C'est complexe hein, déjà, hein. C'est pointu moi je pense. Je crois même qu'il y a moyen de bien s'amuser en fait. La déconstruction de tous vos vieux schémas, ça c'est pas mal, ça peut être bien. Ah schéma, il y a une faute à schéma. La meilleure version de vous-même en miroir dans les yeux de l'autre. Mais aussi la pire version de vos parts afin de vous accepter plus profondément. Bon je vais pas vous mentir, hein, c'est un peu opaque, donc j'espère que Stéphanie va nous en dire un petit peu plus. Stéphanie Fallah, énergéticienne. À toi Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Et coucou tout le monde. Ah merde, tu dis coucou comme l'autre là. Alors une capsule vidéo. Alice machin qui va acheter une baraque là. Spécial flamme jumelle. Ah super. Donc, bonjour à tous, je suis Salut. Stéphanie Fallah, énergéticienne et enseignante stellaire. Moi je suis Tico, je fais des vidéos. Et aujourd'hui dans cette capsule, ouais. Je vais plutôt focaliser mon attention. Sur l'enseignement stellaire. Et porter. Vous avez de très jolis yeux mademoiselle. Excusez-moi, je... Une ouverture. Aucun rapport avec le stellaire. Et quelques-unes de mes vérités concernant les relations flammes jumelles. Ok, d'accord. La rencontre flammes jumelles. Moi, je viens pour ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsque nous rencontrons notre flamme jumelle? Mais vas-y, dis, moi, je... Ce chamboulement. Ah, ça chamboule. Notamment cette petite vidéo que je vous ai faite. Superbe. Pour vous... Motiver. Faire ressentir l'énergie de okay. la flamme. Ok, ouais. Qu'est-ce qui peut... Émerger? Émerger okay. de cette rencontre. D'accord. Et bien tout simplement, la rencontre avec votre flamme jumelle. Oui, oui, oui. C'est tout simplement la rencontre avec vous-même. Non. C'est la rencontre c'est nul. De votre véritable soi. Je suis déçue. Votre miroir, c'est votre âme qui vous parle au plus profond de vous-même. C'est une rencontre avec nous-mêmes en fait. D'accord. Prenez cette rencontre comme un cadeau de l'univers. Il est gentil l'univers. Un cadeau de la source qui vous est donnée. Merci l'univers. Pour enfin vous révéler. D'accord. Et être la personne que vous êtes vraiment, réellement, au plus profond de vous. C'est un peu obscur encore. Cet amour que vous allez ressentir. Pour moi-même. Est là uniquement. Pour. Pour vous faire évoluer. Ah. Alors, l'issue. Oui, oui, vas-y, j'écoute. Qu'elle soit positive ou négative. Positive ou négative. Ouais. C'est même pas du positivisme ou du négativisme. Bah non. Qu'importe. Voyons. Que vous alliez retrouver cette personne ou pas, elle est en vous. Je capte rien. Elle s'infuse à l'intérieur de vous, dans vos veines, dans votre sang, dans votre cœur. Comme du thé. Et cette rencontre. Hein? Putain, le suspense. Va complètement bouleverser votre vie. Oh là là. Et vous allez devenir une nouvelle personne. Mais j'ai pas envie. Une meilleure version de vous-même. Bah, meilleure, attends. Vous allez vous estimer, prendre soin de vous. Bah, je m'aime bien déjà, ça vous va. Réaliser. Mais je prends soin de moi, je me lave et tout, hein. Réaliser que vous avez un plein potentiel. Oui, mais ça, je le sais déjà. Que cette force. Mmh. Que vous avez ressenti. Je suis très fort. Que vous avez rencontré l'autre, elle est. On dirait pas, mais je suis très fort. Que cet amour que vous avez pour l'autre, vous l'avez pour vous. Mais... Cet autre, c'est vous. Mais moi, je m'aime bien, en fait. Ne l'oubliez pas. Ben, merci pour le conseil. Voilà, c'est juste... C'est tout ? Des petites capsules, des mini-capsules eh ben, putain, de temps en temps. C'est à chier. En complète guidance. D'accord. Que je vous offre... J'aime bien la guidance, moi. Que je vais vous offrir régulièrement. Ah ben, c'est gentil. Selon le thème qui me traverse. D'accord. Ça voilà, te traverse ça carrément, c'est comme une flèche. Des impulsions énergétiques. Ouais, bah j'ai bien senti. Pour vous accompagner dans ce chemin. J'en ai besoin. Cette ascension. J'étais malade. C'est une belle ascension d'âme. J'ai eu un rhume. Que cet amour inconditionnel que d'accord. nous portons. Aucun rapport avec le rhume. Envers l'autre.
Ouais. Belle journée à tous. Bah merci Stéphanie. Ah merde, la musique encore. Elle est vraiment pourrie. Un peu comme les conseils de Stéphanie, non ?